Bonsoir. Bonsoir. Mabzuel sur Palworld. En vrai, à la limite, j'irais bien tester Palworld, là, tiens. On peut aller tester Palworld. Vous savez quoi? On va aller se faire une petite game Warzone histoire de bien rager. Le petit canard. Non mais finalement, c'est un petit skin que j'aime bien, le canard. Un petit skin que j'aime bien. Ah, il y avait une petite couronne, à la limite, j'aurais bien prise. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin? Ouais, il a pas l'air... Ouais. Il y a un plouc, mais il est loin. Du coup, j'ai l'impression qu'on a le... On a l'endroit juste pour nous, hein. Allez, opération. Faire de la thune assez rapidement. Le skin camouflage parfait pour des œufs peau profonde, ouais, ouais. Ce serait rigolo d'ailleurs de voir juste la petite tête qui dépasse, tu sais, genre en mode. J'avais pas pensé. Bon, normalement, c'est bon, hein. Des fois, ils donnent 1000 balles là-dedans, mais bon. Là, c'est à base de 500, mais c'est pas grave, regardez. En vrai, ça s'est goupillé relativement vite. On a la caisse. Donc ça c'est good. Voilà. On a des balles, on a tout ce qu'il faut, on a de l'autoréa, on a une frappe. Allez, on bouge de là. Et on va aller voir là-haut. On a des plaques, mun. Ouais, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Mais... Oh, y'a un gars derrière lui. Mama, il vit lui, hein. Il vit de ouf, hein. Ah, j'ai enlevé ma fumigène. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Ah. Ah putain! Non, por favor! Putain, mais je me suis senti agressé, y'a du monde chez lui là! Mama! Alors, y'a mon loot qui est large. Est-ce que le gars serait dans le coin ou pas? On va aller chercher la caisse d'abord, on verra bien. Oula. Il y a une caisse de mun qui a été jetée. J'ai comme l'impression que c'est la mienne, hein.
écoute. Au moins, on se refait une petite santé. On peut pas y aller là. Est-ce qu'il est resté dans le coin ou pas? Ah! On demande un survol de reconnaissance! Pas de patrouille, pas de patrouille, nique ta mère s'il y a embrouille. Voilà. Ah, et lui, je veux les petites méta. Hein. RAM 7, AMR 9. Avec le double canon? Ah ouais? Bah non, en fait. Le gaz se rapproche. Allez à la nouvelle zone de sécurité. On va prendre ça. Eh, il avait de la maille, ce fils! TTV Pencham. Ah non, il m'a pas tué avec, non. Bah non. Écoute, hein. On a pris un petit drone, une autoréa, et on est pas mal. Je l'ai mis mon drone ou quoi? Comment j'aurais pu laisser mon drone en fait? Bah. Bah. Je l'ai pas acheté? Pas. On a besoin de reconnaissance. Ok. Ah, lui, il est au-dessus, lui. Oh, il y a un gars là en dessous. Oh là, mais il y a du monde là en fait. Il y a un petit rendez-vous ici. Bien joué, merci. Alors normalement, il y a un plouc là-dedans. Ah. Bah, il est... Il est parti où, ce con?
sais que t'es coriace, mon con, hein. Eh, tu vas te prendre une patate, et hop. Ah. Ah non, mais... Je sais pas avec quoi il m'a tiré dessus, lui, mais... Ça faisait bim bam boum, hein. Mais avec quoi il m'a acheté un explosif, peut-être. Alors là. Ok. C'était pas une coriace, une toupie? Bah, je sais pas ce qu'il m'a jeté dessus, mais ça m'a fait mal en fait le truc. Ah. Ça a acheté une caisse. Ton micro dans le jeu normal? Bah normalement j'appuie dessus pour que ça s'applique. Voilà. Peut-être la pédale était restée un peu enfoncée, va savoir. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. Salut Sky. Oh, ça aurait pu, hein. Cible marquée. Demande de frappe. Bien reçu. Frappe de mortier imminente. Ah, j'aurais dû descendre avant. Ah, trou de balle. Ok. C'était pas le même, c'était pas le même. Un largage tactique est en route. Il est encore là. Hein. Il est à l'intérieur. Je crois que j'ai tiré sur un lapin sans le vouloir. Come on, baby.
Ouais. Il en reste 10. Vous y êtes presque. Alors, on y est presque, sauf que j'ai l'impression que la terre entière veut me tuer. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Bon, définitivement, le gars à gauche. Je suis sa proie. No, you're not cheating at all. But no, I'm not cheating at all. Motherfuckers, I'm not going down. Il y a un mec au shop. Le truc, c'est que je voudrais aller au shop. Fight. I know how we won't go down without a fight. I know how without a fight. Yeah, we won't. That's too good. Not going down without a fight, baby. Almost. What? Bah, il me donne la victoire? What? What?
Mais c'est impossible qu'ils survivent aussi longtemps. What? Impossible, ils survivent si longtemps dans le gaz. C'est impossible! Impossible! Y'a pas un gaz qui peut être ouvert? Ah là! What's going down with the fight? Il peut pas la gagner! Il ne peut pas! Il ne peut pas! Quoi, quoi? Non mais le mec il dit. On va se taper! Et il se barre! Il devait être full stimulant, etc. Mais y'avait le shop! Et avec ça j'ai gagné! Et avec ça j'ai gagné! Il peut pas avoir plusieurs masques automatiquement, même si tu les as dans le sac à dos. Quand tu. C'est simple, il peut pas avoir plusieurs masques parce qu'automatiquement ils se consomment dans le gaz, même s'il les porte pas. Il peut pas avoir de shop parce qu'ils sont trop loin de la zone. Il peut avoir que des stimulants et des bottes de mune. Mais comme moi j'avais un masque avec un shop et j'achetais des masques, bah j'avais forcément gagné. Ah bon ça! Ah la petite win qui fait plaisir! Mais j'ai pas compris le gars, il a pas voulu sortir, il s'est cagué, il a dit je me barre. Bah voilà. Bah voilà. Eh, c'était trop rigolo là. Eh, franchement, c'était intense de ouf. Parce que, au départ, je suis resté dans le même endroit toute la game, je crois. Parce qu'au fur et à mesure, la zone est devenue là. Et à chaque fois, j'avançais. Et il y avait le gars qui disait We're going on with a fight. Et je croyais qu'à chaque fois, c'est le mec que je me tapais, c'était lui. Déjà, ça a commencé, je monte. Il y a le gars sur le toit, je le craque, machin. Il reste un HP, il meurt par le gaz. Après, il y a l'autre quand j'avance. Après, il y en a un autre là, l'autre qui s'allonge dans le tunnel. À chaque fois, il y avait un boss, tu vois, il y avait un boss. Et au final. Je suis resté jusqu'à la fin dans la zone, j'ai attendu le dernier moment, je dis vas-y je tente le shop. Le shop, c'était, j'aurais pas pu prendre le shop, c'était fini. Toi j'aurais pas pu le faire. Mais grâce au shop, c'est bon. C'est bon. Ça fait un petit top, hein. Ça fait des chocs à pic. Ah il a trop cru, et pourtant il est resté super... Et attends, imagine le moment où il a décidé de partir. La zone était encore super méga grande, tu vois. Mais je pense qu'il lui restait pas beaucoup de vie parce que j'ai bien tiré sur le véhicule et il savait que s'il sortait, il y avait peu de chances qu'il s'en sorte. Donc, mais il est parti trop tôt, donc il est resté très très longtemps dans le gaz, vraiment, il est resté super longtemps dans le gaz, parce qu'imagine le moment où il est parti en voiture, et moi je suis resté dans le gaz jusqu'à la dernière seconde, et encore là après je suis parti chercher un masque à gaz, que j'ai bouffé en entier, j'ai racheté un autre masque à gaz que j'ai bouffé à moitié, il est resté énormément de temps dans la zone, c'est fou hein, il devait avoir quand même pas mal de boîtes de mune, parce qu'il devait jouer bouclier para, donc il devait avoir des boîtes de mune pour faire tourner, et il devait avoir du stimulant ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le petit top 1 était plutôt épique et la win a fait plaisir. Ça aurait pu marcher. Il n'y aurait pas eu le shop, il aurait gagné. Ça aurait été fou, hein.